Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Vikivlog après cette magnifique petite vidéo d'entrée, d'intro où je suis en train de déjeuner, n'est-ce pas? Nous sommes lundi 9 septembre 2024, il est approximativement 14h. Et donc, je viens de faire la vidéo du vendredi, donc celle qui est sortie avant ce Vikivlog. Voilà. Donc je vous montre de quoi ma dernière vidéo parle. Ça parle de mon bullet journal et comment se décider pour la création d'un bullet journal. Donc je vous laisse aller voir la vidéo, hein, n'hésitez pas. Je vous montre aussi ma trousse. C'est la trousse Live and Claude. I'm Claude. De l'influenceuse Marie, voilà, je l'ai acheté sur sa boutique en ligne, voilà, donc bref, donc nous sommes lundi 14h, voilà. Alors, je vais vous faire déjà un petit résumé de mon dimanche avant de commencer à vous faire un résumé de mon lundi. Je vous ai laissé dans le dernier Wikivlog, nous étions samedi et donc j'allais manger et aller au cinéma avec mon copain. Voilà, donc alors un dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, bah, le dimanche matin je suis restée avec mon copain et après le alors dimanche après-midi à 13h après manger, j'ai décidé de faire j'ai pris mon casque, j'ai mis la musique sur mes oreilles. Et j'ai décidé de faire quelque chose de très important à faire, le tri dans ma boîte mail. parce qu'il y avait Gmail qui commençait à m'envoyer des messages en mode il serait temps de vider votre boîte mail, il n'y a plus mémoire en fait, tu vois. Donc du coup j'ai pris mon casque, j'ai mis la musique et pendant une heure je fais le tri de ma boîte mail. Alors j'ai fait un truc super intéressant, je vous le montrerai pas mais je vous en parle. J'ai fait un truc super intéressant avant de supprimer mes mails. J'ai fait différents dossiers, donc par rapport par exemple ma mère en fait quand elle fait des commandes ou qu'il y a des papiers à régler, ça arrive sur ma boîte mail. Voilà, en gros c'est ça. Donc j'ai fait un petit dossier pour ses papiers à elle et pour ses commandes à elle. Comme ça c'est bien différencié. Après je fais une catégorie, je reçois des mails de Chloé et Bloom où elle partage toutes les semaines des petits articles sympas à lire. Mais en fait moi je vous l'avoue, sur le coup je le lis pas, je vais les lire genre quelques semaines plus tard. Donc je fais un dossier spécial Chloé et Bloom. Après, je fais un dossier spécial document important à moi. Et enfin bref, j'ai fait différents dossiers. Et j'ai mis tout ce que je voulais garder, je les ai rangés. Hop. Ensuite, j'ai tout mis. J'ai tout vérifié, voir si il n'y avait pas des choses importantes. J'ai tout vérifié et donc j'ai tout mis dans la corbeille, voilà. Et après j'ai tout viré définitivement. Après j'ai fait mes spams. Bon, il y en avait quelques-uns, mais bon, les personnes spam et puis les boutiques spam, les chronopostes spam. Je suis désolée les enfants, mais quand vous êtes dans mes spams, en fait le but, c'est que en fait je ne lis pas mes messages spam. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait des personnes quand même qui sont dans mes spams depuis plus d'un an, qui s'acharnent quand même. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai pas lu les messages, mais j'ai vu qu'il y avait des personnes qui sont spam depuis un moment. Et j'ai vu que quand même, 3 messages, 2 messages, 4 messages. Je sais pas si ces personnes-là regardent mes vidéos, mais... Écoutez, si je vous manque, j'y peux rien, mais moi vous me manquez pas et puis ça sert à rien de remplir ma boîte mail en fait. Parce qu'en plus je vous ai spam, donc quoi qu'il arrive, vous êtes supprimé. Voilà, mais bon, il y en a, ils n'arrivent pas à tourner la page, hein, mais bon,
plein de détails. Du coup, voilà, donc j'ai vidé mes spams. Et j'ai supprimé les spams. Et donc, ma boîte mail maintenant est vide. Ça fait vraiment bizarre d'avoir une boîte mail vide alors qu'à la base, bah, limite, ça buguait, vous voyez. Et donc, j'ai fait pareil avec mes dossiers. J'ai tout trié. J'ai viré beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos que j'avais tournées et que j'ai diffusées d'ailleurs. Mais franchement, là, mon ordinateur, franchement, au top niveau. Donc voilà ce que j'ai fait hier en début d'après-midi. Après, mon copain m'a rejoint. Et donc, on a essayé, mais on n'a pas réussi. On a été se promener, puis on s'est dit, bah vas-y, on va essayer de continuer à prendre la belote. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Je vous le dis sincèrement, on essaye depuis plus d'un mois et demi, on n'y arrive pas. Donc c'est pas grave, hein. C'est qu'un jeu de cartes, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Donc après, on est venu prendre le goûter à la maison. Et d'un seul coup, il y a ma copine, dont je vous parle souvent, hein, mais que je citerai pas le nom, qui m'envoie un message. Coucou Marion, ça va? À chaque fois, vous allez y avoir droit dans le Wikiblog, hein, je vous annonce la couleur. Coucou Marion, ça va? Tu fais quoi? Moi aujourd'hui, je suis en repos. Tu veux t'en manger avec moi? Ah ouais, si tu veux, hein. Il n'y a pas de problème. Et donc, donc hier, j'ai passé la plupart de ma journée avec mon copain. Puis donc, hier soir, on a été au resto chinois avec ma copine, du coup. On a bien rigolé, comme d'habitude, on a tapé des fous rires. Mais les gens, à chaque fois qu'on se voit, on est bonne pour des fous rires de 5 minutes. Mais ça fait de la séance d'abdos, hein, je vous le dis sincèrement, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Aujourd'hui, je me suis levée à 8h, 8h30. Donc j'ai déjeuné. J'ai diffusé le Wikivlog de la semaine dernière pour vous, du coup. Voilà. Je l'ai programmé pour demain 10h, donc mardi 10h comme d'habitude. Et ensuite, j'ai été sur Vinted et j'ai diffusé des nouveaux vêtements. Donc je vous rappelle, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma page Vinted pour les personnes intéressées. Du coup voilà, et après j'ai lu un petit peu, et après j'ai mangé, et après j'ai fait ma vidéo à thème. Et du coup voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer directement les vidéos et Et je vais me mettre à mon bullet journal. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, à tout de suite pour vous, puis à demain pour moi. Tchuss. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes aujourd'hui mardi et approximativement à bon 9h. Ma vidéo va sortir dans moins d'une heure. Eh oui, le Wikivlog précédent du coup. Bon, écoutez, on va faire un truc. C'est que là, je compte sortir enlever toutes mes affaires d'été, les emballer plutôt, et mettre mes affaires d'automne, parce que là, moi, c'est bon, on arrive à une période où je commence à vraiment avoir froid, donc il est vraiment temps de sortir mes manches longues. Voilà, moi, à partir du mois de septembre, mi-septembre, c'est bon, je remballe les affaires d'été. C'est de la marque Avel, donc j'en mets à peine quelques gouttes. Attention, parce que donc c'est une comme ceci, voilà la matière. Je vais poser là-dessus, éviter que ça tombe. Donc moi je fais comme ça, je frotte dans mes mains et après je me nettoie le visage. Donc je suis pas délicate, non. C'est vraiment pratique parce que en plus ça ne pique pas les yeux, c'est parfait pour le démaquillage aussi. Donc moi avec le savon, j'ai vraiment peur de me... ça pique en fait quand tu mets du savon dans les yeux, ça le fait un spray. Donc du coup, moi j'aime bien parce que ce produit-là, je sens que mon visage et mon cou, parce que moi je fais le cou aussi, est nettoyé à bloc et j'ai pas peur de frotter. Voilà. Donc voilà. Donc, ceci fait. Alors ça fait plusieurs moments que je vous en parle. La coloration, la voici, la fameuse coloration rouge. Donc c'est le blush
Flashy Max, professionnel Eugène Perma Paris. Donc, c'est une coloration. Ça m'a duré environ. J'ai fait 4 colorations avec ça. Et donc, je l'ai acheté chez ma coiffeuse. Je vous présente le tube. Voilà. Okay. À la base, il était rempli. Hein. Mais à la base, c'est un tube comme ça. Et donc, c'est valable 6 mois. Donc, j'ai fait environ. Une coloration par mois. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, voilà pour. Donc, c'était un bon produit. Hein. Franchement, si vous n'avez pas forcément les moyens et pas envie d'aller chez la coiffeuse tous les mois parce que ça coûte cher. Et voilà, si vous avez envie de rester dans un terme de couleur pendant une période, bah, je vous conseille moi, j'ai expliqué ma situation à ma coiffeuse et ma coiffeuse, j'ai bien expliqué que pendant un certain moment, je ne pourrais pas venir. Donc, elle a compris ma situation, elle était très gentille, comme d'habitude, de toute façon, voilà. Et donc, elle m'avait dit, Marion, au pire, ce que je peux te conseiller, et si ça peut te dépanner, ben, tu peux prendre ceci, ça coûte 15 euros et ça vaut le coup, quoi. Mais il faut savoir s'en servir, il faut faire vraiment attention, il faut porter des gants, surtout. Parce que c'est, enfin, c'est pas toxique, mais il faut faire attention, quoi, ça brûle la peau. Donc il faut vraiment faire attention, faut surtout au préalable que votre coiffeuse vous ait expliqué comment le produit fonctionne. Parce que si elle vous explique pas et que vous ne comprenez pas, vous risquez de vous retrouver avec la peau brûlée ou bien des petits problèmes, des petits trous rougeurs ou autre. Donc surtout si vous achetez ce produit, demandez à la coiffeuse. Bah normalement de toute façon c'est automatique, hein. Ma coiffeuse elle m'a proposé le produit, elle m'a expliqué directement comment ça va fonctionner. Enfin, pas logique mais bon. Mais au moins chez les coiffeuses, il y a des coiffeuses qui sont très... Moi ça va, ma coiffeuse elle est très gentille, elle est très intelligente donc c'est parfait. Bref. Donc c'est simple, ce que je vais faire... C'est que je vais juste ramasser mes vêtements sales. Je vais éviter de me mettre de façon à ce que vous voyez mon derrière parce que... On va éviter de vous montrer mes fesses en ronflant, n'est-ce pas? Bon, c'est que... Yana, ça leur plairait, hein, je pense, hein, mais bon, on va éviter quand même. Je suis pas là pour montrer mes fesses. Donc, ça c'est l'événement sale, donc je vais les mettre de l'autre côté. L'objectif est simple. Mes affaires manches longues, je vais les mettre dans mon armoire. Et les affaires manches courtes, je vais les mettre. Je vais les mettre dans cette boîte-là. Je réfléchis en même temps à comment je vais procéder. Alors, là-dedans, je vais faire attention parce que je crois qu'il y a tout qui va tomber. Ça va être rigolo. On va rigoler 5 minutes. Ça c'est, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, ce serait vraiment temps que je regarde. Après je suis pas là pour faire une vidéo rangement, je vais pas vous filmer tout le long, là c'est juste pour vous passer 5 minutes avec vous. Sincèrement je pense que je vais devoir passer à la... un petit rangement d'armoire, mais je pense c'était pas vraiment mon objectif, mais je crois que je vais être obligée là en fait. Ouais, j'ai beaucoup de chemises, je crois que je vais devoir, en fait je crois que je pensais aller très vite, mais en fait je crois que ça va être un peu plus long que prévu. Mes collants sont là. Bon, de toute façon là vraiment mon objectif c'est de... Je pense que je vais devoir tout replier, donc je vais pas vous filmer tout, mais en gros mon objectif ce matin c'est vraiment de faire ça.
Vous savez quoi, je pense que, à mon avis, je vais devoir vous laisser, puis que je vais. Je vais juste faire un truc super intelligent. Ou intéressant, ça dépend. Ça dépend pour vous. Je vais. Vous voyez ceci? Ceci, vous le voyez? Hop, on va tout vider. Voilà. Et ce qu'on va faire, donc ceci, je l'ai acheté à Croc-à-Ferme, je crois. 6 euros, voilà, pas cher. Donc, étant donné que je sais que je ne me servirai plus pour le moment de mes t-shirts et tout ce qui s'ensuit, je vais tout prendre et je vais tout mettre là-dedans. Et vous savez quoi, si c'est pas plié, ben, sincèrement, je m'en fous. Ce que je vous dis sincèrement là, enfin je vais pas vous dire sincèrement, mais vous comprendrez dans quelques mois pourquoi je m'en fous de tout plier. Vous le comprendrez. Vous le saurez bien assez tôt. Enfin pas avant 3 mois, mais vous le saurez à bien assez tôt que pourquoi je m'en fous. Hop. Mais moi je sais pas. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi une fois. Ouais, c'est vraiment. Ah, ça c'est un manche 3 quarts, donc ça, je vais le garder. Une fois... Une fois la mi-saison passée, une fois la mi-septembre passée, ben là... Moi c'est bon, j'arrête. Je range. Ce truc-là, il est trop petit pour moi. Moi, j'ai fait des achats sur Vinted, mais le problème c'est que j'ai des trucs, c'est 10 fois trop petit pour moi. Alors que je les remets en vente, ça me saoule. À Vinted c'est super, mais franchement ce qui est embêtant c'est que on voit pas les vêtements en fait. On peut pas les essayer, donc faut vraiment connaître sa taille. Et moi je ne connais pas ma taille. Comme vous savez, je fais beaucoup de sport. Donc je prends facilement sur le plan masse musculaire, donc forcément je gonfle. Enfin, pour ceux qui ne font pas de sport, je serais plus tentée à croire que je suis enceinte, mais non. C'est juste que pour les personnes qui ne font pas de sport, je vous le répète, quand une femme fait beaucoup de pratiques qui font travailler les muscles, donc je parle ouais, bah, tout ce qui est musculation, on prend en masse, je le répète hein, pour les personnes qui ne le savent pas, qui sont un peu bébêtes et qui jugent facilement. Donc après, quand vous faites seulement de la cardio, vous prendrez pas en masse, à moins de, admettons, si vous courez beaucoup, forcément vous allez prendre au niveau des cuisses et des fesses, ça va raffermir, mais sinon vous prendrez pas les autres parties du corps. Mais moi, étant donné que je fais différentes pratiques qui font travailler tout le corps, forcément je prends j'ai pris partout, au niveau des épaules, j'ai pris au niveau des pectoraux, donc forcément ça met on peut croire que je suis enceinte étant donné que j'ai pris un peu des pectoraux et que rien, ça fait ressentir ma poitrine. Et forcément, quand on n'a pas beaucoup de poitrine et qu'on n'a pas l'habitude de voir que j'ai un peu gonflé, bah forcément, ça peut porter à confusion. L'armoire est comme ceci. Et mon bazar est comme cela. Et donc, les affaires d'été sont là, là-dedans. Donc voilà, le transvidage est fait. Maintenant, je vais tout plier. Je vais tout plier. Et donc, je pense que pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Là j'ai plié tout ça, je pense que tout à l'heure je vais voir mon copain et ce soir je vais à mon cours. C'est la reprise d'une des pratiques que je fais depuis maintenant 4 ans et donc ce soir c'est la reprise de ce fameux cours. Donc je suis contente parce que mardi soir cours de sport, jeudi soir cours de sport et vendredi soir nouvelle pratique, nouveau cours. Et en plus je suis contente que j'ai appris que mon ami avec qui je suis vraiment proche depuis maintenant presque un an, j'ai appris qu'elle faisait cette pratique et
Elle a été championne de France de cette pratique. Il y a maintenant quelques années en arrière. Donc elle est contente parce qu'elle a su ça que j'allais faire ce cours-là. Elle a dit ah, trop bien, on va faire cours ensemble et tout, t'inquiète. Je gère. Ouais, tu gères. Bah t'es championne de France, moi je suis débutante donc je sais. Voilà, toi t'es contente, mais moi je suis doucement. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais du coup, ça me rassure parce que je sais que je serai avec elle. En plus, il y a la femme du prof qui sera là aussi pour m'accompagner. Donc, je suis contente parce que je serai avec deux personnes que j'apprécie. Et donc, je sais que ça va aller. Voilà. Allez, tchuss, à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Tchuss. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes mercredi le 11 septembre du coup, et approximativement, je dirais qu'il est 18h15, 18h30. Bah, seulement que je vous prends parce que je vous explique que je suis réveillée depuis 6h30 du matin. Donc aujourd'hui j'avais une mini formation avec France Travail. Donc je vous explique en gros, c'était une journée pour refaire correctement mon CV. En fait, on nous a donné plein de conseils. Parce que moi je vous avoue que mon CV c'est vraiment chaotique, enfin il était vraiment chaotique, et donc le but c'était de vraiment de faire le tri, parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi mon projet c'est vraiment de faire une reconversion professionnelle et de trouver un métier adapté à mon état de santé et aux compétences que j'ai à présent, enfin, celles que j'ai dû passer. Bref, donc ce matin je m'habille. J'ai voulu mettre un pantalon et comment vous dire que je me suis rendu compte que ma pantalon ne m'allait plus. Et je suis passée du... Avant j'étais au 38-40, maintenant je suis passée au 42. Car... vous savez, je vous l'ai déjà dit, quand on fait beaucoup de sports, notamment qui vont travailler les muscles, notamment ceux des fesses, forcément, c'est pas de la graisse mais c'est du muscle, et comme vous savez le muscle pèse plus lourd que la graisse, voilà pour ceux qui ne le savaient pas. Donc du coup je n'avais plus de pantalon et j'ai vu qu'il y avait des promotions à Kiabi. Donc je vais vous montrer les pantalons que j'ai achetés plus les petites promotions. Alors c'est bien parce qu'en fait pour les articles qui comportaient une étiquette, c'est jusqu'au 1er octobre, je crois. Pour les articles qui comprennent une étiquette rouge, si vous prenez deux articles avec une étiquette rouge, en fait, vous avez moins 50%. Donc en fait, grâce aux articles que j'ai pris avec les étiquettes rouges, eh ben, en gros, j'ai eu un article gratuit. Donc, moi qui avais besoin de pantalons, je peux vous dire que j'ai profité de la promotion. Donc, petit basique. Voilà. Donc là, c'est la coupe wide. Donc le bas est comme ceci. Voilà. Donc, vous allez voir, j'ai pris différents styles de pantalons. Push-up, skinny, mom. Voilà. J'en ai pris 4 et donc c'est 4 différents au niveau des... Donc deuxième petit pantalon. Donc cette fois c'est un skinny. Donc pareil c'est un petit noir. Donc moi faut savoir que j'aime bien avoir différentes couleurs. Donc voilà, basique. Donc celui-là il a coûté 10€. Comment ? Donc c'est un skinny à taille haute. Et ça, je vous avoue que j'ai un peu du mal parce qu'en fait... J'ai remarqué que quand tu fais une petite taille, donc entre le
36 et le 40. Tu as d'autres coupes de pantalons qui vont mieux t'aller, que tu peux te permettre de porter. Alors que quand tu es un peu plus développé, et ben même si tu n'as pas de graisse ou autre, et ben tu peux pas en fait. Tu peux pas parce que t'es compressé. Un pantalon taille bas. Voilà, un basique. Toujours utile. Push-up. Voilà. Ça, c'est bien d'avoir des basiques comme ça. Je dis, là, maintenant j'ai. Il ne me restait plus que 7 2 pantalons. Maintenant, c'est bon, j'en ai 7. Impeccable. Donc là c'est un régular. Voilà. Donc c'est les coupes ni trop larges, ni trop. Voilà. Comme ça. Et comme ça. De toute façon, vous verrez quand je porterai. Voilà, comme ceci. Hop, et là. Et donc, dernier article qui n'est pas un pantalon. Donc, je vous parlais des articles en rouge. Il manquait un article en rouge pour faire profiter de la promotion. Donc j'ai trouvé cette petite robe pull très mignonne. Voilà, j'en ai pas. Pour l'été, pour l'hiver, pardon. Si je mets ça en été, je risque d'avoir chaud. Donc voilà. Donc en gros, ça a payé, la promotion a payé une robe ou bien un pantalon en fait. Donc profitez si c'est jusqu'au. C'est jusqu'au, comment dire, au 1er octobre la promotion. Donc voilà, donc après je vais me démaquiller, je vais faire mon shampoing, je vais manger, puis je vous dis sincèrement, je vais me poser devant la télé. Voilà, donc écoutez, je vous dis à tous, c'est pour vous, et puis à demain pour moi, tchuss. Bon. Hello tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui vendredi, il est approximativement 18h30. Je m'excuse à l'avance si vous entendez des bruits de voiture, de camions et tout ça. Je vous explique, là c'est l'heure de pointe derrière chez moi et il y a des travaux dans ma ville. Et du coup ça fait que ça provoque un boucan du diable. Voilà, je préfère vous prévenir parce que ça peut être gênant. Et moi je sais que ça me gêne, donc voilà. Bref, alors je vous ai pas pris hier parce que pourquoi? Alors hier matin je suis restée avec mon copain. Et hier en début d'après-midi j'avais du diamond painting. Après mon copain est venu et après il est parti travailler. Et ensuite je suis allée au cours de sport. Mais sincèrement, suite à mon rendez-vous l'autre jour, j'ai préféré faire une petite pause. Enfin pas une pause, mais sincèrement, vu que je suis rentrée mercredi à pied, j'ai senti le contre-coup de la journée de la veille, vous voyez. Parce que faire plus de 2 km à pied, quand vous êtes levé depuis 6h du matin, vous le sentez, sincèrement vous le sentez. Donc j'ai préféré ne pas filmer hier. Hier je suis rentrée du cours à 19h30, donc c'était un bon cours, je sens bien mes courbatures. À la base des bases, aujourd'hui je devais aller à mon nouveau cours, mais sincèrement vu comment je suis courbaturée, j'ai préféré ne pas y aller, concrètement. Et donc voilà, et je vous dis sincèrement, mon copain il est parti travailler. Et en fait je vois pas avant demain en fin de journée. Donc je vous avoue que j'ai préféré passer la plupart de ma journée avec mon copain avant qu'il aille travailler. Voilà. Et ce matin j'ai fait du montage. J'ai commencé à monter le blog. Ensuite, je me suis lavée, j'ai été voir mon copain. Après, je suis rentrée pour manger. On a été en course. Et après, je suis retournée voir mon copain jusqu'à temps qu'il parte travailler. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire, mis à part ça. Je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment très froid. J'ai sorti le pantalon long et le pull. J'ai mis un des push-ups que je vous ai montré l'autre jour, un pantalon push-up acheté à la fois.
Écoutez, sur l'étiquette, c'était marqué moins 5 kilos au niveau des fesses. Bah ouais, bah, le truc, il est tellement compressé au niveau des fesses que toute la graisse est remontée au niveau du ventre. Il y en a trois quand même qui m'ont demandé si elle était enceinte, qui m'ont tapé sur le ventre en mode de... comme ça, tu vois. Non, c'est véridique, je ne représente pas. Même moi, je me suis vue dans le miroir, j'étais, ah ouais, quand même, la graisse, elle a bien. Au niveau des fesses, elle a remonté au niveau du ventre. Bon, ok, d'accord. Mais sinon, c'est tout ce que j'avais raconté. Donc, je me suis dépêchée d'enlever le pantalon parce que sincèrement, j'en pouvais plus. Et là, j'ai des courbatures, j'ai froid et tout. Donc, sincèrement, au vu de la nouvelle pratique que je fais, je préfère ne pas aller m'aventurer au cours de sport. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à tous pour vous. À demain pour moi. Tchuss. Bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon oui, on a changé d'angle. Là, on est vers la porte. Vous voyez derrière normalement mon étagère et un petit peu mon bureau, je crois. Nous sommes dimanche, il est approximativement 14h. Et oui, je l'avoue, hier j'ai oublié de filmer, de conclure le vlog. Alors ce que j'ai fait hier, je vais vous montrer de suite. Hier matin, j'étais à mon cours de sport de 10h à 11h30 et en fin de matinée, j'ai continué mon petit rangement. Voilà, je vous le montre. Vous voyez vraiment que comparé à il y a 15 jours en arrière, c'est vraiment bien rangé. Et voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a de l'amélioration. Et sur ma cheminée, là c'est pareil, avant c'était le gros bazar et maintenant il n'y a plus rien. Et je peux vous poser là pour filmer, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier matin. Et donc après j'ai mangé. Et donc après j'ai fait du diamond painting pendant jusqu'à 15h. Et après mon copain était parti vendredi après-midi et pour aller travailler. Voilà. Et est revenu hier, donc j'ai préféré rester avec mon copain. Voilà. Jusque hier 19h à peu près. Après j'ai mangé, après j'ai regardé la fermeture de la flamme. Et après j'ai regardé les frascottes. Voilà, donc franchement j'ai pas du tout pensé à conclure ce vlog. Et donc ce matin, ce que j'ai fait, je me suis levée, j'ai lu un petit peu. Je me suis lavée, j'ai été voir mon copain avant qu'il parte travailler. Parce qu'il partait tôt cet après-midi, voilà. Et donc j'ai mis des choses à vendre sur Vinted. Alors je vous rappelle, si vous voulez trouver mon Vinted, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos sur ma page d'accueil YouTube. Et donc là je vais continuer les ventes Vinted, je vais faire mon montage de vlog et donc voilà. Et je conclue ce vlog maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine. Enfin demain pour moi et puis à la semaine prochaine pour vous du coup. Et prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, enfin bref, vous savez. Allez, ciao, bisous.